Nous avons en face de nous les amis 15 abonnés. 15 abonnés qui seront aujourd'hui cobayes. Aujourd'hui ils vont m'aider à savoir s'il est possible de tuer plusieurs personnes en une seule balle sur Fortnite Battle Royale. Pour m'aider à faire cela les amis, nous avons ici plusieurs armes, toutes les armes même. Et on va tester voir si une parmi elles arrive à tuer plusieurs abonnés en une seule balle. Aujourd'hui c'est notre but les amis. Bombardez-moi cette vidéo, pouce bleu, abonne-toi à ma chaîne YouTube si tu n'es pas encore abonné. Et on va commencer par cette première arme. Est-ce que vous pensez que cette arme va réussir à tuer tout le monde? La réponse est non. A chaque fois que je remarque qu'il y a une arme qu'on ne peut pas tuer plusieurs personnes avec, je vais tout simplement la mettre ici sur la case rouge. Ici j'ai une case verte qui me permettra de mettre sur cette case toutes les armes où il est possible de tuer plusieurs personnes. Ensuite nous avons la R. Non, la R. Non, la R, elle ne fonctionne pas. Ensuite ici on a une petite mitraillette à rafale. Peut-être que celle-ci, ça va fonctionner. Attention, 3, 2, 1. Ah ouais, tu vois, là, on a réussi à tuer deux personnes, tu vois. Donc, cette arme-là, on la met sur la case verte. Voilà. Passons ensuite au sniper. Est-ce qu'il est possible de faire une collatérale, c'est-à-dire tuer plusieurs personnes en une seule balle avec le sniper? Attention. La réponse est non. Le sniper ne tue qu'une seule personne avec une seule balle. Je m'y attendais à plus, clairement. Nous passons ensuite à l'AR rafale. Attention. Oh, j'ai réussi à tuer des gens. J'ai réussi quand même à tuer 3 personnes. Regardez, on teste. Ouais, 3 personnes avec cette arme. Et franchement, ça c'est une bonne arme. Testons maintenant avec le sniper auto. Non, il n'y a rien du tout. Maintenant cette arme là. Non, rien du tout. La petite SMG. Non, rien. Bon après ça c'est pas étonnant, c'est des armes qu'on connaît. On n'a jamais vu de genre de kill avec des collatérales. Et ça, la petite ici. Non. Ok, pour ces 5 armes, on n'a pas du tout eu de collatéral. Collatéral, je le répète, c'est quand tu fais plusieurs kills en une seule balle. En un seul tir plutôt, parce que les armes qu'on a eues juste ici, c'est des armes à rafale. Passons ensuite avec la carabine. Est-ce que la carabine... Non, ça ne fonctionne pas. La petite mitraillette juste ici, non. Ici, ah, l'arme à lunettes peut-être. Non, pas du tout. Ah, nouveau sniper. Non, pas de collatéral. Et celle-là... Non, non, pas de collatéral pour ces armes-ci aussi. Alors, nous avons des armes ensuite. Ah, les fusils à pompe. C'est intéressant les fusils à pompe parce que j'ai déjà vu des clips Fortnite Battle Royale où des gens arrivaient à faire des collatérales aux fusils à pompe. On va savoir la réponse tout de suite les amis. Mais juste regardez ce que j'ai ici. J'ai préparé ici la lame de l'infini. On va réserver cette lame de l'infini pour la fin de cette vidéo les amis. Voir si cette lame sera peut-être l'arme, la seule arme à tuer tout le monde en un seul coup sur Fortnite Battle Royale. Du coup, testons voir avec le fond chasseur s'il est possible de tuer plusieurs personnes. Wow, oui, j'ai réussi. Là, j'ai réussi à tuer deux personnes, les amis. Ça fonctionne. Par contre, ce que je me demande, c'est si je me décale un peu. Est-ce qu'on va réussir à faire plus de kills si je me décale? Oh ouais, 3 kills que j'ai réussi à faire là, t'as vu ça? Donc le pompe est une arme qui fonctionne pour faire des collatérales. Mais je me demande, si on recule encore un peu plus, est-ce qu'il est possible de tuer plus de gens? Parce que la dispersion des balles de fusil à pompe se disperse plus lorsqu'on s'éloigne. Attention, on va tester ça. Oh, j'ai réussi à tuer 5 personnes. Oh là là, ça fonctionne. Le fusil de chasseur, mon rey, ça c'est beau ça. Passons à une arme que je ne savais pas qu'elle existait, celle-ci. Non, celle-là, elle ne fait pas de... double collate, celle-là non plus, celle-là non plus. Ah, le double deagle. Laisse-t-on voir, est-ce que ça va fonctionner la petite collate? Ah, ah non, je m'attendais à faire 2 kills. Attends, retente. Non, je m'attendais que le Akimbo que j'ai dans les mains allait tuer beaucoup plus qu'une personne, mais pas du tout. On termine avec les armes bleues. Nous avons un pompe juste ici, le pompe automatique. Voyons voir si en face d'une personne on arrive à tuer. Ok, on arrive à tuer 2 personnes. Si on se décale, attention, testons voir. Oh, 5 personnes que j'ai réussi à tuer. What the fuck. Oh là 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 là. Et maintenant, retestons en s'éloignant un peu plus. Oh, 5 personnes aussi, mais le carnage. Oh là là, le fusil à pompe, ça a un truc de ouf. Vraiment, ce que je veux, et pourquoi je fais cette vidéo, les amis, je veux trouver l'arme qui me permettra de tuer le plus de personnes possible en une seule balle. Le petit revolver, testons voir. Non, pas du tout. Ok, un autre fusil à pompe, le fusil spécialisé. Ok, oh, 2 personnes tuées de face. Si je me décale, voyons voir. Oh, 4 personnes cette fois-ci. Et si je recule... Oh là 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 là. 6 personnes cette fois-ci. Oh là là, 6 personnes, ce fusil à pompe. Oh là là, ça fait un massacre. Le pistolet silencieux, non. Ça c'est évident, ça ne fait qu'un seul kill. Et pour terminer avec les armes bleues, le fusil à pompe tactique. De face, il fait 2 kills. Si on se décale un peu, 4 kills. Et si je recule un tout petit peu, voyons voir. Oh, 4 kills, d'accord. Testons voir maintenant avec les armes violettes les amis. Nous avons ici le sniper de tempête. Est-ce qu'il fait une collate? Non, un seul kill malheureusement.
le sniper silencieux. Un seul kill malheureusement. Le minigun n'a pas vraiment de tir. Il va falloir gérer. Ok, minigun, ça ne fait qu'un seul kill, d'accord. Oh, le sniper lourd. Est-ce que vous pensez que le sniper lourd, franchement, ça serait vraiment une arme, il faudrait qu'il patch. Parce que regardez, ça ne fait qu'un seul kill. Ça, c'est bien malheureux. Franchement, j'aimerais bien qu'il rajoute une mise à jour. Comme quoi, le sniper lourd pourrait transpercer plusieurs ennemis. Franchement, ça serait terrible. Alors, la thermique. Oh, oh, on voit tous les abonnés qui sont juste là en file indienne. C'est magnifique. Allez, petit Bambi, tu dégages. La SCAR silencieuse. Ok, un seul kill. Ok, ici, arme intéressante, on a la FAMAS. La FAMAS qui est une arme à rafale. Voyons voir combien de kills on peut faire avec cette arme. 3 kills. 3 kills, la FAMAS. Ah ouais, la FAMAS, elle est bien cheatée. On met ça directement dans les bonnes armes. La petite MLG, non, rien du tout. Le sniper, non. Toujours, ah, le crossbow peut-être. Non, au moins on aurait essayé. Ces armes ne fonctionnent pas. Parce qu'il est vrai qu'on pourrait avoir des belles surprises. Clairement, avoir des armes qu'on ne connaît pas, qui peut transpercer plusieurs personnes. Attention, cette arme-là, non. L'ASCAR, non. Celle-là, non. Celle-là, non. Et celle-là, non. Ça, c'est pas étonnant parce que je connais à peu près ces armes et je sais qu'elles ne transpercent pas plusieurs ennemis. Alors, voyons voir ici. Maintenant, cette fois-ci, on a plusieurs pompes. On a un pompe différent. Maintenant, on a le pompe lourd. Pompe lourd. Attention, voyons voir si le pompe lourd de face sait faire des dégâts. Wow! Wow! J'ai tué combien de personnes là? Wow, 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 attendez, j'ai tué combien de personnes, mec? What the fuck? J'ai tué 7 personnes là? What the fuck? Le pompe lourd, le carnage qu'il vient de faire. Eh, je m'y attendais pas qu'il fasse des dégâts pareils, mon frère. Attends, on va essayer en se décalant cette fois-ci. Tous les abonnés, 15 abonnés sont décédés en une seule fois. What the fuck? Bon, après, il y avait une petite bambinette qui n'est pas morte parce qu'elle avait sauté. Mais what the fuck? Mais les amis, what the fuck? Attends, j'ai vraiment envie de recommencer, tu sais, what the fuck? On va tester ça maintenant, les amis, en se décalant et en allant de plus en plus loin. Oh là là. Oh. What? Les 15 abonnés sont morts en une seule fois. What, les amis, le pompe lourd est ultra cheaté. J'ai jamais vu ça, what the fuck? Et c'est ultra impressionnant. Comme je vous le disais, j'étais pas prêt pour ça. Franchement, ça, c'est une arme. Je savais pas qu'elle faisait autant de damage, frère. What the fuck? Continuons cette fois-ci avec le petit pistolet juste ici. Non, ça, pas de collate. Attention, testons voir avec ce pompe-ci. Ok, un seul kill cette fois-ci. Testons voir de côté. Ok, 2 kills sur le côté, d'accord. Et si on s'éloigne... Ok, 3 kills, 3 kills, d'accord. On fait moins quand même des dégâts que le pompe bleu, juste en dessous, d'accord. Attention, le dégât à la lunette, non, rien du tout. Ah, le pompe tactique, épique. Franchement, il y a moyen que ça soit du lourd. Attention, de face, 2 kills, de côté, voyons voir. Oh, de côté, 4 personnes, d'accord. Et si on s'éloigne un peu plus, oh ouais, 4 personnes aussi, d'accord. Le petit eagle. Un seul kill. Ah, le double barrel. Peut-être qu'on serait étonné de voir ce qui se passe avec cette arme-là. Attention, de face. Un seul kill. Un seul kill de face. Ah, d'accord, je m'attendais à beaucoup plus. De côté, voyons voir. 4 kills de côté, d'accord. Oh là 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 là. Et si on s'éloigne un peu plus, voyons voir. 5 kills cette fois-ci. Damn, son. Jusqu'ici, la meilleure arme, les amis, c'est clairement le pompe lourd. Suivant, passons au revolver. Rien du tout. Oh, le pompe spécialisé, aka mon pompe préféré. Voyons voir de face. De face, 2 kills, d'accord. De côté, hop là. 5 kills, d'accord, 5 kills. Ici, on s'éloigne un peu plus. 3, 2, 1. Ouh. 5 kills, d'accord, ok. Testons voir maintenant avec l'Akimbo épique. Ah, cette fois-ci, 2 kills. Avec le épique, on arrive à faire 2 kills. Alors qu'avec le bleu, on faisait qu'un seul kill. Souvenez-vous. D'accord, donc ça, on peut le rajouter juste ici. La petite P90. Non, un seul kill. La silencieuse, un seul kill. Sinon, en comparaison, on regarde toutes les armes qu'on a ici qui ne fonctionnent pas. Juste ici, avec les armes qui fonctionnent. Il y a beaucoup moins d'armes qui fonctionnent pour faire des collades. Passons cette fois-ci aux armes légendaires. Alors là, les amis, on n'est pas prêts. Clairement, les armes légendaires sont beaucoup plus puissantes que les armes précédemment. Je pense qu'on va être servi. On commence par le pompe tactique légendaire. On va commencer de face. Ok, un seul kill. Ah, d'accord, étonnamment. On va faire ça de côté, voyons voir de côté. 6 kills de côté. Oula, c'est violent ça, 6 kills. Maintenant on va essayer d'en y un peu plus. Pour que les balles se dispersent un peu plus. Attention, testons voir. Wouh, 7 kills. Oh là là là, ça c'est beau ça. Alors la petite P90.
un subtil, le sniper. Non, malheureusement, il y a aucun sniper qui on dirait qui arrive à faire de collatéral. C'est dommage. Ah, là, une arme que j'aime bien, la FAMAS, et qui est mon AR préféré dans tout le jeu. Je suis déçu qu'il ait supprimé, mais bref, c'est pas grave. Attention, la FAMAS. La FAMAS 3 kills. Oh là là, le carnage, mec. C'est parti avec le pompe double barrel. Voyons voir. Ok, la double kill en deux faces. Si on se décale un peu plus. Ouh, 5 kills. Et si on s'éloigne, attention, voyons voir. Oh, oh, je tue tout le monde. Bah si, personne. Le pompe spécialisé légendaire. De face, un seul kill. De côté, 3 kills, d'accord. Et si on s'éloigne pour que les balles se dispersent un peu plus. Oh là là, 5 kills, d'accord. Oh, le pompe lourd. Ah là là, les amis, le pompe lourd épique avait fait un total carnage et avait exterminé les 15 abonnés en une seule balle, les amis. Cette fois-ci, on va tester le légendaire. On va voir si c'est pareil pour le pompe légendaire. Let's go. Est-ce que vous êtes prêts? 3, 2, 1. What the fuck? Quoi? Pardon? Il y en a qui en plus ont survécu, je comprends pas, what the fuck. À mon avis, c'est que t'avais bougé, toi, what the fuck. Mais en tout cas, ce pompe, les amis, what the fuck. Mets un pouce bleu si toi aussi t'es choqué, t'étais pas au courant que cette arme était ultra puissante. Recommençons cette fois-ci en testant de côté pour voir si ça la fonctionne. Attention. Oh là 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 là. What the fuck, les amis, vous avez vu ça? Mais c'est un total massacre, les amis. Mais je n'en reviens pas. Mais regardez ça. C'est incroyable cette arme. Oh là là là, l'arme la plus cheatée du jeu jusqu'ici, mec. What the fuck. N'oubliez pas aussi, les amis, qu'il y a l'épée juste ici qu'on testera à la fin. Voir si l'épée est beaucoup plus puissante que ce fusil à pompe. Testons voir le sniper lourd légendaire. Non, rien du tout. L'ascar légendaire. Non, rien du tout. Le sniper tempête, rien du tout. Le petit pompe ici. Ok. 3 kills là juste ici. Non, 2 kills, pardon. Avec le pompe spécialisé. Maintenant, on va tester deux côtés pour voir. Ah non, il s'était mal mis là. Oh, alors, 3 kills en se mettant de côté, d'accord. Ah, franchement, je m'attendais à beaucoup plus de ce pompe de guerre. Mais franchement, on dirait pas que ça fonctionne bien. Et maintenant, si cette fois-ci, on l'utilise de plus loin. Ah là, effectivement, on fait plus de kills. 5 kills. Là, on va tester cette fois-ci l'arc légendaire. De face. Ça ne fait que 2 kills, d'accord. Restez bien jusqu'à la fin, les amis, parce qu'il y a ici un lama avec plusieurs armes explosives qu'on va tester à la fin. Mais comme promis, utilisons la lame de l'infini pour voir s'il est possible de tuer tous mes abonnés en une seule fois. Est-ce que vous êtes prêts? 3, 2, 1. Oh, what the fuck. Intéressant. On a pu voir que j'ai pu transpercer ces 5 abonnés. Je ne sais pas comment, mais je les ai transpercés. Mais on a quand même fait 5 kills. Si maintenant je me mets en face de lui et je mets un coup d'épée simple, je tue 4 personnes, intéressant. Donc sans étonnement, bien sûr, la lame de l'infini, on l'en met dans les armes qui fonctionnent. Regardez le peu d'armes qu'il y a comparé à toutes ces armes-là, clairement. Cette fois-ci, les amis, passons aux explosifs. Est-ce qu'il est possible, avec une seule balle d'explosif, de tuer plusieurs ennemis en une seule fois? Commençons par le lance-grenade bleu. C'est parti. What the fuck, ça fail? Oh! Ça fonctionne pas, elles rebondissent. Attention. Hey! Ok, c'est bon, j'ai réussi à la mettre. Attention. Oh là là, il ne reste plus que 2 survivants. Ce qui m'intéresse, c'est que là, tu vois, il n'y a eu que 2 survivants. Si on upgrade lance-grenade maintenant en épique et puis légendaire, testons voir avec une petite... Allez, yo! Avec une petite grenade épique, s'il y a moyen de faire plus de kills. Oh! Pareil, cette fois-ci, 2 survivants. Mais sans étonnement, bien sûr, les armes explosives comme le lance-grenade, bah, ça fait un massacre. Ça, on n'est pas étonné, on s'y attendait clairement. On est parti pour tester maintenant le lance-grenade légendaire. Est-ce que vous pensez que tout le monde va mourir? C'est parti. Ouais. Ok, c'est bon, j'ai réussi à la mettre. Attention, est-ce que tout le monde va... Oh, what the fuck? Toujours 2 survivants. On dirait bien qu'on a un nombre limité de personnes explosables. What the fuck. Malheureusement, ils ont supprimé le lance-roquette de niveau bleu parce qu'avant il existait. Mais bon, c'est pas grave. On va commencer cette fois-ci avec le lance-roquette épique. Est-ce que vous êtes prêts? 3, 2, 1. Tout le monde est mort. Tous mes abonnés sont morts. Ah non, il y avait un petit coquin qui se cachait derrière. Hé la salonnette. Bon, on recommence avec le lance-roquette épique. Attention. Et 2 survivants. What the fuck, 2 survivants. Franchement, si avec le lance-roquette légendaire on arrive encore à avoir 2 survivants, on aura peut-être la confirmation qu'en fait il y a un nombre limité de personnes explosables à chaque fois qu'on utilise une arme explosive, peu importe la sorte d'arme. Ok, est-ce que vous êtes prêts, lance-roquette légendaire? 3, 2, 1. Oh, 2 personnes, exactement, 2 personnes qui survivent, c'est incroyable. Il nous reste 2 sortes d'armes explosives à expérimenter, les amis. Le quadrilanceur et le lance-grenade. Commençons par le lance-grenade épique, attention.
Ok, lance-grenade épique ne fait que 2 dégâts, 2 kills seulement, c'est pas grand-chose. Attention, retestons ça. Cette fois-ci, 2 kills. L'explosion du lance-grenade ne fait effet que sur 2 personnes au niveau des dégâts. C'est quand même un truc de ouf à apprendre, cette chose, là, what the fuck. C'est parti pour le quadrilanceur. Ouh, 2 personnes qui survivent. J'imagine si on teste avec le légendaire, ça va être la même chose. Légendaire. Oh, oh, le légendaire. Ah non, il y avait un mec qui se cachait. Oh, par contre, là, il n'y a qu'une seule personne qui survit. What the fuck? Donc, je pense qu'on a trouvé l'arme qui tue le plus au niveau des explosifs. Mais on a oublié d'expérimenter la dernière arme, aka l'arc explosif. On l'avait expérimenté juste ici sur la ligne rouge de la mort qui tue. Mais cette fois-ci, on va le tester avec tous les abonnés concentrés juste ici. Est-ce que vous êtes prêts? 3, 2, 1... Oh, d'accord, là, il reste 4 survivants, sympa. Mais en tout cas, elle a réussi à tuer beaucoup plus de gens qu'une seule personne. Comparé à toutes ces armes-là qui ne tuent qu'une seule personne, toutes ces armes juste ici arrivent à faire des collatérales, les amis. En tout cas, j'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Vous savez bien que c'est du but. Abonne-toi à ma chaîne YouTube si tu n'es pas encore abonné. C'est ultra important et pour rapport, les amis, on se dit à la prochaine. Tchuss.